Un propriétaire qui effectue lui-même des travaux dans un logement loué peut-il déduire ses frais de déplacement Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Samuel, propriétaire bailleur, qui réalise lui-même des travaux de réparation dans un logement loué situé à 100 km de son domicile. Il se demande s'il peut déduire fiscalement ses frais de déplacement. Alors à vos droits Prêt Partez dans un premier temps, Samuel, sachez que si vous relevez du micro-foncier, toutes vos charges sont prises en compte de manière forfaitaire à hauteur de 30% des revenus, quelle que soit leur nature et leur montant. Pour pouvoir déduire vos différents frais de vos revenus fonciers, vous devez relever du régime réel d'imposition, ce qui est le cas si vos recettes dépassent 15 000 euros à l'année. Sinon, vous devez exercer une option en ce sens. Si vous réalisez vous-même des travaux d'entretien ou de réparation dans un logement loué, vous pouvez déduire le prix d'achat des matériaux de vos loyers. Mais vous ne pouvez pas tenir compte du travail effectué à titre personnel. La main-d'œuvre est déductible uniquement si vous faites appel à une entreprise. Mais qu'en est-il de vos frais de déplacement En principe, ils sont inclus dans les frais de gestion et d'administration fixés forfaitairement à 20 euros par an et ne peuvent donc pas être déduits pour leur montant réel. Heureusement, le juge administratif a estimé que les frais de carburant et de péage pouvaient être déduits dès lors que leur montant peut être justifié en tant que dépenses de réparation et d'entretien. Vous pouvez alors les évaluer au moyen du barème kilométrique publié chaque année par le fisc. Sachez toutefois que l'administration a la possibilité de ne pas tenir compte de cette décision judiciaire et de refuser la déduction. Si tel est le cas, il faudra alors saisir le juge avec le risque qu'il ait un avis différent. Et oui Samuel, les méandres de l'administration sont parfois un abîme insondable. Je suis Arnaud Sogera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.